On m'appelle Eric Marcel Hatimi. Je suis spécialiste des droits de l'homme, en service au ministère de la Justice. 2020 sera une année paisible, une année où chacun de nous, là où nous sommes, à quel niveau que nous sommes, nous allons contribuer ensemble dans une mobilisation à protéger l'environnement. Protéger l'environnement, pourquoi ? Parce que le Bénin est parti à un certain nombre de conventions. Et quand je prends le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il faut un environnement sain. Et si nous devons rester dans un environnement sain, il va de chacun de nous pour que nous mettions la patte. Dans nos maisons, à commencer par l'hygiène. En sortant de nos maisons, dans nos rues, chacun de nous, on ne doit pas nécessairement attendre l'État pour dire que ah, c'est l'État qui viendra faire. Chacun doit pouvoir mettre la main à la pâte pour qu'ensemble, on puisse faire de grandes choses. Et comme vous l'avez dit, nous allons à la plage. Il faut que notre environnement soit sain. Notre environnement sain, vous savez, les droits sont des droits transversaux. Cela permettra peut-être de régler encore d'autres problèmes de santé. Cela permettra de nous inscrire dans les ODD. Parce qu'aujourd'hui, les ODD 11 parlent de villes durables, de villes saines, de villes futures. Et quand nous devions avoir une ville future, il faut que ça soit un paquet. Et dans ce paquet, l'environnement a un grand rôle à jouer. Donc j'invite les uns les autres, 2020, soyons ensemble pour que nous ayons un environnement digne de ces noms. Cela participe aussi peut-être des changements climatiques, parce que ça aussi, c'est ce lot de dégâts. Mais si nous, nous disons, interpellés individuellement et collectivement, rien n'est impossible. Bonne année 2020 à tout le monde.